au cœur du bassin du Congo, le Gabon. Ici, la forêt recouvre plus de 80% du pays et fait partie intégrante de la vie des communautés rurales. La première chose que je peux vous dire seulement, que c'est la forêt qui nous a fait. Nous, on vit de la forêt. Et la forêt représente tout pour nous. S'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de vie. Et c'est pour cela que nous la préservons. Quand moi je vais en brousse, ce n'est pas seulement pour la plantation. En brousse, je cherche le chocolat. En brousse, je cherche aussi les feuilles, les noisettes. Bientôt la période arrive. On va essayer de voir ce qu'on peut reculter avec les autres femmes du village. La moitié, tu peux vendre. Et la moitié, tu manges avec les enfants. Voilà plus de 10 ans que le Gabon s'est doté de lois riches en promesses quant à la gestion des massifs forestiers par les populations locales. Le projet d'ACEFI pour développement d'alternatives communautaires à l'exploitation forestière illégale est venu en appui pour développer le concept de forêt communautaire. Financé par l'Union européenne, ce programme est mis en œuvre par le WWF, l'ASBL Nature Plus et la faculté de Jean Blou Agrobiotech en Belgique. Le projet vise la promotion de la gestion durable des massifs forestiers au Cameroun et au Gabon, et en particulier par la promotion de la gestion durable des forêts villageoises. L'originalité du projet, c'est à la fois d'être au contact des communautés, de tester le concept de foresterie communautaire et de remonter cette information à l'administration en charge des forêts pour qu'elle adapte le cadre légal. Le souhait, c'est d'avoir une législation sur les forêts communautaires qui soit adaptée au contexte socio-économique gabonais. Les communautés qui vivent ensemble, dans le bon sens, peuvent rentrer en possession de leurs propres richesses quand le besoin se présente. Même si la chose qui vous appartenait sera toujours à vous, mais le frère aussi pourra bénéficier un peu des mêmes avantages de ce qui vous appartient, comme vous aussi, vous pouvez bénéficier de ce qui lui appartient. Pour mener à bien ces projets de développement communautaire, les villageois doivent s'organiser en association, s'entendre et trouver des consensus. Je pense qu'un des principaux défis d'une gestion communautaire, c'est la résolution des conflits. Il ne faut pas faire d'angélisme, il y a dans la foresterie sociale et communautaire besoin de dynamiques locales fortes et d'apaiser beaucoup de tensions. Donc au-delà de l'enjeu d'arriver à bien gérer la ressource forestière, il y a l'enjeu de ne pas instiller des dissensions sociales. Il y a 3 hectares de champs de vergers. Créer l'association, c'est pour essayer de regrouper les gens pour qu'ils vivent, qu'ils conjuguent ensemble, qu'ils aient les mêmes idées à peu près, qu'ils regardent dans la même direction. C'est pour essayer de regrouper les gens pour qu'il y ait de l'entente entre eux. Vous allez monter sur quelque chose, il te manque combien? 1 cm. Non, travailler ensemble est meilleur que de travailler seul. Là, on est en train de construire le bureau de l'association Vincol à Ecoredo. Le bois vient de nos forêts, le bois on l'a scié, on a obtenu un papier au niveau des eaux et forêts. Il n'y a pas une société qui est rentrée chez nous pour nous transformer le bois. Le
Le choix du village dans le processus de forêt communautaire, c'est quitter l'illégalité pour la légalité et avoir nos forêts et l'utiliser à bon escient. Une forêt communautaire, c'est une portion de forêt dans le domaine rural dont la gestion est confiée à une communauté villageoise pour y mener des activités ou un processus dynamique pour une gestion durable des ressources naturelles dans les règles de l'art. La création d'une forêt communautaire induit des changements importants d'ordre technique, économique et social. Elle permet une autonomisation et une responsabilisation des communautés rurales. On a observé que les gens y croyaient, que les gens avaient besoin d'avoir un tel mécanisme qui les protège aussi. Parce que ce qui se passe traditionnellement, c'est que les populations se mettent en position de fermage. C'est l'exploitant qui leur donne ce qu'il a bien envie de leur donner. Or que là, ils jouent le jeu, ce sont les maîtres du jeu, ce sont eux qui décident. C'est comme le terrain. Quand tu as ton terrain, que tu es déjà alloté, personne ne peut pas venir travailler ou bien faire les maisons dedans. C'est pour cela qu'on veut ça. Ces populations, elles font partie de la gestion, c'est-à-dire qu'elles sont actrices de la gestion d'une ressource qui est la leur. Donc, dans ces conditions, elles se mettent du côté de l'État pour défendre la survie de cette ressource-là. Les revenus issus de l'exploitation raisonnée de la forêt communautaire permettront de réaliser des projets au profit des habitants du village. Bien, moi, oui. Bien. Bon, je suis votre trésorier, Wamini. Pour ma pauvre Georgette. Babé, c'est bien. Nous avons pensé qu'en obtenant notre forêt communautaire et en la gérant durablement, nous parviendrons aux résultats qui pourraient permettre à notre village vraiment de se développer et acquérir certaines infrastructures que beaucoup de populations attendraient de la part du gouvernement. Nous envisageons l'électrification de notre village. Nous envisageons déjà, là, alors que nous ne sommes qu'à nos débuts, nous sommes déjà en train de construire un pré-primaire et il y a bien d'autres projets, mais qui verront le jour au fur et à mesure, tout en respectant le calendrier qui est établi dans le plan simple de gestion. Le projet d'ACFI n'a pas uniquement travaillé sur la promotion de ce concept de forêt communautaire et la création des forêts communautaires. On a aussi développé tout un panel d'activités pour renforcer les capacités des villageois. Dans ces filles, on a fait beaucoup de formations avec, ça nous a amélioré dans beaucoup de choses. On a fait la formation en abattage contrôlé, par exemple, comme vous voyez là, c'est l'abattage contrôlé. On a fait une formation en menuiserie, on a fait une formation botanique, une formation en sciage d'abord, mais à lever, sciage artisanal, et ça a amélioré beaucoup de gens, je fais partie de ces gars-là.
j'ai appris comment il faut abattre un bois qui a des contreforts et comment il faut abattre un bois qui n'a pas de contreforts. Donc, si bien que dans l'association, on n'aura plus besoin d'aller prendre un scieur ailleurs, d'aller prendre un abatteur ailleurs. Moi-même, je suis là pour ça. L'utilisation de la forêt au rythme des villageois. La forêt pour et par les villageois. Mais ce modèle de gestion résistera-t-il à la pression sur la ressource en bois au niveau régional et mondial? La forte demande en bois tropicaux pourrait pervertir l'esprit de la loi et transformer ces zones d'activité villageoise en concessions forestières industrielles, inadaptées à la taille des forêts communautaires. On ne veut pas voir intervenir dans ce milieu-là des gens qui disposent des moyens et qui viendront du moins exploiter ces ressources-là en un dernier temps alors qu'on veut que ça s'inscrive dans la durée. Si aujourd'hui on a une bonne vision sur le processus de création, on manque encore de recul sur la gestion à long terme de ces forêts communautaires. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de bien comprendre et de mieux cerner le type d'accompagnement que peut proposer l'administration en charge des forêts à ces communautés pour qu'elles puissent être guidées sur le long terme dans la gestion de leurs forêts communautaires. L'État a fourni pas mal d'efforts. Mais il n'empêche que les moyens d'accompagnement sur le plan logistique, sur le plan financier, sont à trouver pour véritablement accompagner les communautés villageoises. La dynamique de gestion participative est en marche au Gabon, pleine de promesses pour l'environnement comme pour les hommes. C'est une opportunité qui nous est offerte et que nous devons saisir. J'aime la forêt communautaire dans mon village. Je veux que ça soit dans mon village. Notre association, il faudrait, c'est-à-dire, elle sera littérale jusqu'à la fin du temps, parce que là, on est, jusqu'à présent, on édifie les jeunes enfants pour que ça ne s'arrête pas à mi-chemin. Même des petits gamins sont impliqués dedans pour leur apprendre l'avenir. Parce qu'on nous parle du présent et du futur. Il ne faut pas s'arrêter ici. Diabolo, va.
Daulu, fire, bobanya, ite, daulu, daulu, yaba, daulu.